tient de vous prouver à présent qu'il a sa place en finale. Et pour y parvenir, son choix s'est porté sur une superbe ballade d'Elton John. Mais Sébastien va plus loin et nous fait une proposition, je dirais une proposition artistique légèrement différente, hein, c'est ça Alain ? Oui, il prend la chanson telle qu'elle est au départ et il essaye de l'emmener un petit peu ailleurs. D'abord, il va s'asseoir au piano, ce qu'il adore. Et il va proposer une version, bon, pas totalement à l'opposé de ce qu'est la version originale, mais il va essayer de la faire sienne. Voilà. Et donc, dans le rapport piano-voix, il est toujours très à l'aise. Et encore une fois de plus, dans les grandes chansons comme celle-ci. Voilà, c'est son choix aussi d'avoir choisi cette chanson ce soir. C'est lui. Très bien. Sébastien, tout de suite. Allons-y. J'ai choisi Sorry Seems to Be the Hardest World. J'ai vraiment envie de faire cette chanson parce que je trouve que c'est vraiment une mélodie magnifique. Musicalement, c'est quand même le top. Là, tu joues ta place pour la finale. Et moi, j'ai vraiment envie que tu sois en finale. Il faut le gagner, ce ticket pour la finale. Tu vas le gagner, et je pense que tu vas le gagner en restant sur le chemin qu'on s'est tracé depuis le départ. Vocalement, c'est pas une chanson très compliquée. Il faut juste pas en rajouter. Le genre de choses qui me convainc et qui me donne envie d'écouter. C'est une très bonne idée. C'est avec ce genre de répertoire qu'il peut aller en finale. C'est un paravent encore. On n'est pas dans le fond de Sébastien, quoi. Puis l'anglais, c'est plus facile, on le sait, hein, de surjouer une émotion de par la langue. C'est un choix perso. Là, Sébastien est dans un exercice qui lui convient parfaitement. Donc je pense que là, Sébastien va nous emmener. Il y a un énorme enjeu sur cette chanson. Parce que c'est quand même la dernière impression que je vais laisser. Je sais que c'est pas gagné, donc j'espère que le public sera encore avec moi. What I've got to do to make you love me? What to do to make you care? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. To make you want me.